Dans la série « Les nuits du bout du monde », l'ORTF présente « Le monte-charge », d'après le roman de Frédéric Dard, avec Evelyne Selena. De Stéphane Pisella. Robert Herbin est retourné chez Madame Dravet. Quand la police est arrivée, il s'est réfugié dans ce qu'il croyait être les combles. Il y passe la nuit. Aux premières heures du matin, Madame Dravet vient à son tour dans cette partie de la maison. Elle est tout étonnée d'y trouver Robert Herbin. Mais celui-ci est encore plus troublé qu'elle. Il a passé la nuit dans l'obscurité totale, et à la lueur de l'ampoule que vient d'allumer Madame Dravet, il découvre un salon semblable à celui où il avait vu le cadavre de Monsieur Dravet. Le même canapé, les mêmes meubles et le même sapin de Noël. Mais il n'y a plus de cadavre sur le canapé. Et dans l'arbre de Noël s'agite la cage dorée qu'il y avait accrochée, lui, Herbin. Alors il comprend tout. La maison comporte deux appartements, et dans tous les deux, un salon identique. Il comprend aussi que c'est Madame Dravet qui a tué son mari. Effectivement, elle lui avoue la vérité, lui dit comment tout s'est déroulé. Elle avait tout prévu, même la détonation du revolver. C'est pourquoi, pendant qu'elle tuait son mari, elle avait fait jouer un disque. Du Wagner. C'était tout indiqué. Thank you.
Il y eut un temps assez long. Elle se taisait. Elle voulait bien se confier, mais comme se confesse un pénitent maladroit, en répondant seulement à des questions. Et des questions, il en avait 100, il en avait 1000. Il en avait trop à lui poser. Il ne savait laquelle choisir. Le plus simple, c'était d'en finir avec le meurtre de Dravet en suivant l'ordre chronologique. Après avoir quitté cette pièce, vous êtes redescendu à l'étage inférieur avec Lucienne. En entendant le nom de sa fille, elle a eu des larmes plein les yeux. Elle perlait au bord de ses longs cils. Ils tremblaient un instant avant de couler sur son visage torturé. Vous l'avez rapidement mise au lit. Elle fit un signe de tête qui pouvait passer pour affirmatif, mais il pensa qu'en réalité elle voulait chasser de ses cils d'autres larmes qui s'y accumulaient. Puis vous êtes allé au salon, au vrai, pour tuer votre mari qui s'y trouvait. Par exemple, je ne comprends pas... À midi, je lui ai fait prendre 3 lentérules de phénobarbital dans des chocolats. Elles contiennent plusieurs substances différentes qui se dissolvent les unes après les autres, entretenant le sommeil. On peut, suivant les doses, garder quelqu'un endormi pendant des heures et des heures. La preuve. Donc, il dormait. Oui. Elle savait très bien ce qu'il pensait. Si jamais les choses se gâtaient pour elle, aucun jury ne lui accorderait des circonstances atténuantes. Elle avait assassiné froidement, au bout d'une lente, longue et savante préméditation, un homme endormi. Je vous fais peur. Vous pensez que je suis un monstre. Ce n'est pas un homme comme moi qui peut vous juger. Elle avança doucement la main, comme au cinéma. Le temps d'un éclair, il lui sembla que tout recommençait. Il avait pris sa main. Il ne demandait au ciel que quelques minutes de répit. Il redoutait un coup de sonnette ou l'appel du téléphone. Personne ne s'est inquiété de l'absence de votre mari hier après-midi? Si. Sa maîtresse. Le matin, les ateliers travaillaient. Elle venait le voir au bureau avec beaucoup d'impudeur. Et j'ai su par la secrétaire de mon mari qu'ils avaient eu une altercation au sujet du réveillon. En fin d'après-midi, elle a appelé ici, sans se nommer. Elle demandait Jérôme. J'ai répondu qu'il était parti. J'espère que la police sera au courant de l'incident. Sûrement. Il sert la thèse du suicide. À propos, comment les flics ont-ils réagi? Je ne sais pas. Enfin, quelles ont été leurs attitudes? Ils sont comme les médecins. Ils ne disent rien. Ils ont pris des photographies et des mesures. Ils ont mis le revolver dans une pochette de cellophane. Et puis? Ils ont posé les scellés sur la porte du salon. Je n'aimais pas beaucoup cela. Je m'imaginais que lorsque la police se trouvait en face d'un suicide évident, elle ne s'entourait pas d'autant de précautions.
Ainsi, vous l'avez tué. Vous portiez des gants, je suppose. Oui. Mais c'est lui qui a tiré. Vous comprenez, je n'ai fait que lui tenir la main. Comme un alphabet pour lui faire signer une pièce. Elle lui avait fait signer sa mort. Deux gouttes de sang ont giclé sur votre manche. J'ai bien vu que ces taches vous troublaient. Elles vous troublaient avant que nous découvrions le corps. J'ai presque failli vous quitter à la sortie du café. Qu'avez-vous fait des gants? Je les ai jetés dans un égout au cours de notre promenade au clair de lune. Vous ne vous en êtes pas rendu compte? Non, je n'ai rien remarqué. Ils voulaient tout savoir en détail. L'affaire avait un côté spectaculaire qui le fascinait. Vous avez donc tiré. Et après? J'ai versé une goutte de cognac dans un verre, une goutte dans un autre. J'ai posé les deux verres sur la tablette supérieure du bar roulant. Et c'est pourquoi, avant que nous sortions un peu plus tard, vous avez pris mon verre que j'avais laissé sur la cheminée pour le poser, comme en bas, sur la tablette du bar. Vous avez remarqué? Évidemment. Nous avons bavardé, nous sommes sortis. Et quand nous sommes revenus, vous avez stoppé l'ascenseur au premier étage et non au second. Pour que je ne me rende pas compte de l'écart de durée, vous m'avez embrassé. Croyez-vous que ce soit uniquement pour cela? Parlez-moi du monte-charge. Il dessert les deux étages. Les ateliers sont aménagés de façon rationnelle. Le collage se fait au premier, l'emballage au second. Dans la conception des locaux, mon mari avait voulu que ce monte-charge puisse servir d'ascenseur le cas échéant. Et c'est pourquoi il s'ouvre indistinctement côté fabrique et côté appartement. Alors? Ce soir, j'ai dévissé le bouton de commande du second étage par mesure extrême de précaution, pour éviter à mon visiteur témoin l'idée même d'un second étage. Mais vous m'avez amené au second la première fois. Comment avez-vous fait? J'avais un dé à coudre de fillette qui me permettait d'actionner le tableau de commande pour le deuxième étage. L'extrémité du dé rentrait juste dans le trou du tableau. Logiquement, je n'avais besoin d'aller qu'une seule fois au second, puisqu'à partir de la deuxième visite, le drame était découvert. Mille compliments. Vous êtes astucieuse. Il la regardait en se demandant comment un tel machiavélisme, une telle minutie dans la préparation d'un crime avait bien pu naître dans cette âme de femme. J'avais remplacé les ampoules de l'escalier et du monte-charge par des ampoules grillées. Maintenant, elle avait besoin d'aller jusqu'au bout. Elle voulait l'étonner. Lorsque vous êtes venu pour la première fois et que vous teniez Lucienne dans vos bras, j'ai stoppé l'ascenseur un peu avant la fin de sa course. De même, lors de votre troisième visite avec l'homme de l'église. Savez-vous pourquoi? Non. Parce que notre appartement au premier n'est pas exactement sur le même plan que le premier étage des ateliers. Le monte-charge étant là pour les besoins de la fabrique, il en résulte une marche lorsqu'on veut sortir de la cabine côté appartement. Or, au second, atelier et appartement étant de niveau, je devais créer une marche artificielle en stoppant l'ascenseur un peu avant son arrêt normal. Bravo. Dans le noir, ça ne devait pas être facile. Je me suis entraînée des nuits durant quand j'étais seule ici. C'est devenu une sorte de réflexe. À un centimètre près, je suis capable d'arrêter la cabine toujours au même endroit. Il ne pouvait se défendre d'une secrète admiration pour ses performances. Dans ce qu'elle venait de lui dire, une phrase l'avait frappée. Je me suis entraînée des nuits durant quand j'étais seule ici. Il imaginait la vie de cette jeune femme dans ses locaux industriels, en compagnie de son enfant repoussé. Des nuits durant quand j'étais seule ici. Elle avait eu le temps, en effet, de concevoir un meurtre, de s'y préparer
puis de le préparer, et de se consacrer à lui comme à une tâche. D'où vient que la porte du second n'était pas fermée à clé? Je n'ai eu qu'à tourner le loquet pour entrer ici. Par prudence. C'est-à-dire? Chaque fois, je fais semblant de me servir d'une clé. En réalité, c'était avec celle du premier que je farfouillais dans la serrure, afin de donner le change. Je redoutais qu'au début de l'enquête, on me demande mon trousseau de clés, et que celle d'ici attire l'attention. Car mon mari, lui, ne possédait pas la clé de cet appartement. Je craignais qu'on compare nos deux trousseaux. Et dire que j'ai failli faire échouer ce plan si minutieux, si parfait. Oui. Je suis tombée sur le seul homme de ce quartier qui ne pouvait me servir de témoin. Lorsque vous m'avez avoué qui vous étiez, je crois que j'ai failli me suicider. Tout était à refaire. Et vous avez tout recommencé. Seulement, ça devenait très dangereux, à cause du corps qui se refroidissait. C'est pourquoi je me suis arrangée pour rester très longtemps partie avec M. Ferry. C'était la seule solution qui me restait. Laisser s'écouler beaucoup de temps, de manière qu'on ne puisse pas situer à une heure près celle du décès. Je l'ai entraîné dans un endroit bruyant où nous nous sommes fait remarquer. Nous avons mis des chapeaux de papier, lancé des serpentins, bu du champagne. Il me disait que c'était le plus beau réveillon de sa vie. Il se prit la tête entre les mains. Se penchant en avant pour ne plus la voir, il l'imaginait coiffé d'un chapeau de papier riant avec Ferry. Et à toute vitesse, comme dans un film accéléré, des images défilaient. Elle au bras de Ferry. Elle dans le monte charge. Elle encore dansant avec Ferry. Essayant d'arrêter le monte charge. Elle lançant des serpentins. Et s'entraînant des nuits durant. Juxtaposition d'images à un rythme de vertige. Il avait envie de hurler, envie de vomir. Il se redressa. Tout tournait autour de lui. Le sapin de Noël, le bar, la table basse. Le salon copie conforme. Dans l'autre, à l'étage au-dessous, il y avait le mort. Il le revoyait, crâne fracassé, éclaboussé de sang. Il y avait deux petites étoiles rouges sur la manche de son corsage quand elle était sortie avec lui. Mais elles étaient effacées quand elle dansait avec Ferry. Et ça avait été le plus beau réveillon de sa vie. Et puis d'un seul coup, tout redevint normal. La musique qui tournait dans sa tête s'effaça. Elle parlait. Vous croyez qu'ils feront l'autopsie? Sûrement. Les lentérules ne laissent pas de traces suspectes, paraît-il. Il n'y a qu'une question d'angle de tir. Mais je crois avoir bien calculé. À entendre sa voix tranquille, à voir son visage de jeune femme sage, on ne pouvait croire à son forfait ni surtout aux circonstances dans lesquelles elle l'avait accompli. Quant à cette question d'heure, qui donc pourrait s'en douter? Monsieur Ferry a témoigné que le salon était vide quand nous sommes sortis. Il a témoigné ne pas m'avoir quitté. Il a témoigné avoir découvert le corps de mon mari en même temps que moi. Elle s'était plantée toute droite contre lui. Elle lui souleva la tête, le regardant bien dans les yeux. Vous êtes mon seul vrai danger maintenant.
Quel effet cela fait-il de tenir ainsi le destin de quelqu'un dans sa main? C'était elle qui me demandait cela. Elle qui avait tué un homme, à moi qui avais tué une femme. Pourquoi l'avez-vous tué ainsi? Je préfère ne pas essayer de vous expliquer. C'est à cause de ma fille. Jérôme a été si odieux avec cet enfant. Vous n'allez tout de même pas me dire que vous avez voulu mettre le cadavre de cet homme dans ses petits souliers. Non. Non, je ne vais pas vous le dire. Et pourtant, vous n'êtes pas loin de la vérité, Robert. Elle se souvenait encore de son prénom. Il n'en faut pas plus pour s'allier à un homme. Jusque-là, il était vaguement humilié d'avoir été élu comme pigeon par cette fille. Mais n'était-ce pas le destin plus qu'elle-même qu'il avait choisi? N'était-ce pas grâce à un laborieux concours de circonstances plus minutieusement agencé que le crime de M. Dravet qu'il s'était trouvé à la table voisine de la sienne au restaurant? La veille, il s'était réveillé en prison à 1000 kilomètres de là. Et cependant, un dédale invraisemblable de petits hasards l'avait guidé à son rendez-vous. Votre coup de l'église, ça a été un trait de génie. Cette idée m'est venue grâce à vous. Lorsque vous avez téléphoné, j'étais dans la chambre de Lucienne. Je la regardais dormir. Et je me demandais comment certaines mères parviennent à se détruire en compagnie de leurs enfants. J'essayais de découvrir cette affreuse recette. Quand je vous ai vu vous mêler à ces gens à la sortie de l'église, j'ai failli crier de désespoir. Dites-moi, vous avez dû parler de moi lors de votre déposition. C'est Ferry qui en a parlé. Et comme vous n'avez pas assisté à la découverte du drame, les policiers n'ont pas semblé y attacher d'importance. Ils vont revenir? Sans doute. J'ai eu droit à la famille et à des magistrats mal réveillés. Tout le monde avait trop bu et pas assez dormi. Un vrai cauchemar. Je pense que je serai tranquille jusqu'à midi. Vous étiez monté pour débarrasser cette pièce? Oui. Je dispose de très peu de temps pour le faire. Elle attendait son verdict. Madame Dravet n'avait pas exagéré en assurant qu'il tenait son destin dans sa main. Il promena un regard désabusé sur la pièce. Ce n'était désormais plus pour lui une vraie pièce, mais un décor. Un décor reproduisant fidèlement le salon où s'était déroulée la tragédie. Qu'allez-vous faire de ces meubles? Le fauteuil va avec celui d'en bas. C'est celui que je suis censée avoir enlevé du salon pour laisser la place au sapin. Il suffit de le descendre dans une des pièces. La salle à manger, par exemple, où les policiers ne sont pratiquement pas entrés. Je voulais ranger les bouteilles dans ma cuisine, casser l'électrophone et le bar et les brûler dans l'énorme chaudière du chauffage central, ainsi que le sapin. Seul le canapé pourrait demeurer ici. J'ai confectionné moi-même des housses d'une autre couleur destinées à modifier radicalement son aspect. Très bien. On va s'y mettre. Il savait bien qu'elle espérait son silence. Pourtant, elle ne comptait pas sur son aide. Et sa décision la plongeait dans l'effarement. Il regarda l'heure. Il se sentait très maître de lui.
Ce meurtre était en soi une sorte de chef-d'œuvre auquel il voulait participer à sa façon. Il était presque 8 heures. Encore 1 heure de répit et tout serait fini. Aidé de Madame Dravet, il porta dans le monte-charge le fauteuil, le bar roulant, le pick-up et la table basse sur laquelle il se trouvait. Ils déposèrent le fauteuil dans la salle à manger du premier étage, ainsi qu'elle l'avait prévu. Puis ils descendirent au sous-sol. Démanteler le bar, l'électrophone et sa table était un jeu d'enfant. Lorsque tout était bien brûlé et que les entrailles métalliques du pick-up n'ont plus été qu'un petit écheveau de ferraille noirci, il rechargea la chaudière. Ils étaient rouges comme des crêtes de coq en remontant au second étage. Il leur restait encore à dégarnir le sapin des nombreuses babioles qui le décoraient et à le tronçonner pour pouvoir le brûler. Il s'activait sans parler, avec une hâte fiévreuse, étourdissante. Plus la pièce cessait de ressembler à celle du dessous, plus ils avaient conscience de la précarité de ce sursis. À tout moment, un policier pouvait venir et le découvrir chez les Dravet, ou bien vouloir visiter la maison de bas en haut. Elle poussa une petite exclamation quand elle découvrit la cage avec l'oiseau de velours. Elle la considérait d'un air de doute. Elle la décrocha de l'arbre et la petite boîte se mit à chanter. Il lui expliqua la provenance du sujet et elle se mit à pleurer. Assise sur le canapé, elle sanglotait convulsivement en serrant le fragile objet contre sa poitrine. Pourquoi pleurez-vous ainsi? À cause de vous, Robert. Je vous imagine tout seul, achetant ça dans une boutique sans savoir ce que vous en feriez. Elle était capable de préparer la mort de son mari pendant des semaines, capable de tirer une balle à bout portant dans la tête d'un homme endormi. Et pourtant, elle pleurait sur cet article de bazar qui symbolisait une solitude. Je ne veux pas que vous la jetiez. Mais vous ne pouvez l'accrocher dans l'autre arbre, puisque les scellés sont apposés. Je vais la suspendre au-dessus du lit de Lucienne. Je ne sais pas si une femme comme moi a le droit de croire à des porte-bonheur. Mais il me semble que cet oiseau en est un. J'ai l'impression qu'il protégera ma fille. Elle était descendue avec la boîte de carton pailletée. Il restait à ébrancher le sapin. Pour cela, il redescendit très vite à la cave. Lorsqu'il commença à le jeter dans le brasier, une épaisse fumée noire s'en dégagea. Chaque fois qu'il ouvrait la porte de fonte, un gros nuage résineux s'échappait du foyer et le suffoquait. Les sujets de verre entassés dans un petit carton
ressemblaient à des œufs très précieux. Il les fourra d'un coup dans la chaudière, où ils éclatèrent avec un petit bruit de biscuits rompus. Il balaya le sol de la cave, parsemé d'aiguilles vertes. Après quoi, il quitta le sous-sol. Comme il arrivait au seuil de la porte palière du premier, il entendit parler Madame Dravet. Il crut qu'elle répondait au téléphone et il entra délibérément. À cet instant, il perçut une voix d'homme. Il voulut battre en retraite, mais des pas retentissaient dans l'escalier. Il se trouvait pris entre deux feux. Il se sentait pris de panique. Entre deux feux. D'un côté, il y avait le visiteur en grande conversation dans la salle à manger. D'un autre, les arrivants. En face de lui, le salon tragique sur la porte duquel on avait écrasé de gros cachets d'une cire pareille à du sang séché. Alors, il joua son va-tout. Sur la pointe des pieds, il gagna la porte qui faisait face à la salle à manger, c'est-à-dire celle de la chambre d'enfant. On ne pouvait pénétrer dans une pièce plus subrepticement ni plus rapidement. Une pénombre grise régnait chez la petite fille. La cage dorée se balançait au ciel de lit. Il percevait le souffle léger et régulier de Lucienne. Il y avait dans cette chambrette une touffeur émouvante. À côté, des pas faisaient crisser le plancher. Des voix ronronnaient. Quelqu'un allait sûrement finir par entrer. Il cherchait une cachette autour de lui, mais il ne trouvait rien. Excepté le lit et une petite armoire peinte, la pièce ne contenait que des jouets. Fût-ce sa présence qui dérangea le sommeil de l'enfant, ou bien les allées et venues toutes proches. Brusquement, elle poussa un cri semblable à une plainte aiguë, un peu bestiale. Il avait subi trop d'émotions fortes au cours de la nuit. Ce cri entra en lui comme un bistouri dans une chair anesthésiée. Madame Dravet expliquait à la cantonade. C'est la petite qui se réveille. Son pas approchait. Quelqu'un l'escortait. Il se jeta derrière le mince rideau blanc du lit. La porte s'est ouverte. La femme est entrée. Un homme l'escortait, mais il demeura à la porte. Elle ne s'arrêta pas, saisit l'enfant et sortit de la chambre. Il demeura seul dans la petite pièce où ricanaient des canards en contreplaqué. Seul. Seul avec son oiseau de velours bleu et jaune qui continuait de se balancer sur son perchoir. Thank you.
Dans la série « Les nuits du bout du monde », vous venez d'entendre « Le monte charge », d'après le roman de Frédéric Dard, avec Evelyne Selena. Prise de son René Cambien, opérateur Marcel Grenier, assistante Suzanne David. C'était « Les nuits du bout du monde », une émission de Stéphane Pisella.